À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Christophe Miossec a accordé une interview exclusive à Libération. Une entrevue durant laquelle il a confié une anecdote étonnante sur une icône de la chanson française, Johnny Hallyday. En effet, la star du rock avec qui il a eu la chance de collaborer aurait heurté la sensibilité de ses parents. Adulé par le public, jalousé mais jamais égalé par ses pairs, Johnny Hallyday n'a pas déserté le cœur des Français et notamment celui de son ami et partenaire musical, Christophe Miossec. À l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Simplifié, dans les bacs depuis le 17 février 2023, le chanteur de 58 ans a accordé une interview au journal Libération. Un entretien à l'image de son nouvel opus, clair, net, précis et sans langue de bois. En effet, ce fleuron de la variété française s'est laissé aller à quelques confidences sur un artiste qui a marqué sa carrière. Il s'agit de Johnny Hallyday pour qui il a eu le privilège de composer mais pas seulement. C'est une collaboration qui a fait des étincelles et qui a rallumé le feu de sa discographie. On parle bien du duo Hallyday-Miossec qui reste gravé dans les mémoires. Ceux qui ont l'oreille musicale se souviennent forcément de cette association audacieuse entre ces deux bêtes de scène. Révélé au public dans les années 90, Christophe Miossec a collaboré une première fois avec le Taulier pour composer De l'amour et la TNT, ce qui a valu au père de Laura Smet le titre suprême aux victoires de la musique. Une consécration pour l'auteur qui en garde un souvenir mémorable, c'était agréable d'entendre ça depuis le public. J'ai eu envie d'écrire pour lui dans l'idée de lui donner du plaisir, pour qu'il ne s'emmerde pas, s'est-il remémoré dans les colonnes de Libération. Une occasion pour les deux artistes de nouer une belle amitié construite sur des points communs. Des chanteurs rebelles, Johnny Hallyday, c'est un tempérament de feu qui n'aimait pas franchement les faux-semblants. C'est donc certainement l'audace du jeune parolier qui a séduit le taulier. Je crois que Johnny m'aimait, peut-être parce que je ne suis pas encombrant. Il était très timide comme moi, il avait un truc très animal, qui nous rapprochait, à confier Christophe Miossec. En effet, l'interprète de Je m'en vais ne partageait pas seulement la passion de la musique mais bel et bien de nombreux traits de caractère. Une ressemblance qui n'a pas frappé les parents du principal intéressé, choqués par des propos qu'aurait tenus Johnny Hallyday. Mes parents avaient été choqués lorsqu'il avait dit un jour, Christophe, si est-il un rebelle, il est né dans la rue mais je voyais ce qu'il voulait dire. A défendu ce dernier. Une allusion directe à un titre emblématique du chanteur, récemment mis à l'honneur par Patrick Bruel, dans lequel il s'est livré sans filtre sur sa propre histoire. Il en a fallu peu pour titiller la susceptibilité des parents de Christophe Miossec.